J'ai pas compris Tenet, et Dieu sait si Nolan a du talent, mais j'ai pas compris le film. Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point? Oui, ça c'est normal, hein. Donner ses données, reprendre ses volets. J'ai toujours dit que je faisais plus des dramas écolo que des comédies. Maintenant, comprenez bien que mon intention au départ, elle est de raconter l'histoire de personnages qui vont se rencontrer, etc. Il se trouve que c'est dans un monde qui, objectivement, est déviant, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin pour le voir. Le monde déviant, surtout en ce moment. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'improbabilité de la rencontre entre tous ces personnages. Donc d'abord, à la différence de Bernie, etc., c'est des gens qui sont intégrés, qui sont insérés, donc totalement identifiables, beaucoup plus troublants, presque plus émouvants. Et tout d'un coup, il y a un dérapage dans leur vie, qui est un dérapage qui se produit quotidiennement partout. Voilà. Et cette occasion est une tragédie au départ. Et puis il va permettre quand même malgré tout à eux de se rencontrer eux-mêmes, et dans cette rencontre même va être développée l'écoute de l'autre, et cette écoute de l'autre va permettre à eux-mêmes de se rencontrer et faire un petit trio plutôt actif et plutôt créatif. Ça marche. Mais il n'y a pas dans mon intention de départ de dire ah là là, je vais dénoncer la société, c'est pas comme ça que ça marche du tout. Qui sont ces personnages? Qui sont-ils? Qui leur rêvent-ils? Et comment ils peuvent se rencontrer? Ça commence comme ça. Alors pour le coup, c'est à la fois une redondance d'auteur et une vraie névrose obsessionnelle. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai été élimé, choyé, éduqué. Et donc, j'ai aucune raison personnelle de m'intéresser à ça. J'ai le sentiment que mes déviances d'adulte viennent beaucoup de certaines carences que j'ai eues pendant l'enfance, comme vous, comme tout le monde. Pas forcément affectives, mais certainement pédagogiques. Et donc, voilà, quand je dis adieu les cons, bah c'est vous, c'est moi, c'est le monde entier. Mais la grande excuse qu'on peut avoir à titre d'individu, c'est qu'on est quasiment obligé d'être un peu con quand on suit les algorithmes que nous impose la société et ceux de l'école. Voilà. C'est ce que ça raconte. C'est tout. C'est le seul petit pic que j'aurais par rapport à ces personnages-là. Et ben en fait, j'ai eu la grande chance de rencontrer Terry Jones il y a 23 ans dans un dîner parisien. Et les Monty Python étaient phénoménales dans ma vie imaginaire et comment dire, spirituelle, n'ayant pas peur des mots. Je trouve que dans l'humour non sensible des Monty Python, j'y voyais une parfaite similarité avec le non-sens de l'existence, que je n'arrive toujours pas à comprendre. Jamais on m'a parlé aussi bien de religion que dans la vie de Brian. Je comprends la sémantique de la religion quand je vois ce chose absurde et cet humour, encore une fois, non sensible des Monty Python. Things always look on the bright side of life. Come on. Donc voilà, c'est pour moi un monument culturel qui habite ma vie d'adolescent, d'enfant et de jeune adulte. Et puis je tombe sur Terry Jones et qui me dit « J'ai vu ton film, Bernie, mais c'est formidable, mais j'ai pas été jusqu'au bout. » Voilà, c'était une réflexion très pythonienne. Après, je reçois une lettre où il me dit « J'étais jusqu'au bout, c'est bien ce que je pensais, c'est magnifiquement, trois petits points horribles. » Mais le contact était fait et donc j'ai dit « Écoute, est-ce que tu ferais un petit coucou dans mon deuxième film, Le Créateur ?» Il est venu faire le rôle de Dieu. Donc voilà, le metteur en scène des Monty Python qui fait le rôle de Dieu, pour moi, quelque part, la boucle est bouclée. Et quand j'ai présenté Le Créateur à Londres, il m'a dit je viens avec un ami, et le copain c'était régulier, mais j'étais très impressionné. Donc cette projection devient une sorte de passage à l'examen. Et non seulement il avait bien aimé le film, on est sorti, puis on est resté papoter sur le trottoir à Londres, et je me rappellerai toujours, il me posait des questions sur comment j'avais fait certains plans. J'ai comme le mec qui a fait Brésil, me demande comment on fait des plans, parce que le budget était très mince, et il était étonné qu'on puisse faire ça avec aussi peu de budget. Mon artisanat l'amusait. Et puis on est resté en contact, et quand j'ai fait enfermer, longtemps après, ils sont venus faire un petit coucou tous les deux, et puis Rilliam est revenu pour faire un petit coucou dans 9 mois ferme, et puis là il a concrétisé ce film Adieu les cons, est un dommage collatéral de Brésil, je n'en finis plus avec ce film, et de voir Guillaume est venu cautionner ça. Voilà, donc le film est dédié à Terry Jones. La dernière fois que je l'ai vu, c'était ici, dans cette pièce, il était venu voir le montage d'En voir là-haut. Il était passé, il était déjà un peu absent, il avait une maladie neurologique. Il a eu l'élégance de me prévenir, il m'a dit un soir, je te préviens, j'ai ce souci-là. Et puis petit à petit, il a disparu un petit peu de notre vie à nous. Et c'était vraiment bizarre, parce que c'est un personnage extrêmement trublionnesque, extrêmement spectaculaire, dans son phrasé, dans son humour, dans sa culture. Mais il a eu l'élégance de dire, voilà, je vais partir, profitez-en encore un petit peu, et puis il est parti. Voilà, donc ce film, très logiquement, lui est dédié. Et puis, Guillaume est venu encore une fois cautionner l'entreprise. Voilà. Moi, je trouve que le monde dans lequel il est fou, donc ces gens-là, encore une fois, ils sont une sorte de troupeau social, frénétique, absurde, aliénant, et puis les circonstances font que tout d'un coup, ils sont forcés de quitter le troupeau, ce qui au début les traumatise, puis en fait, c'est l'occasion de se rencontrer tous, eux-mêmes déjà, et puis après, ils se rencontrent, et puis ils ont développé beaucoup d'écoute, ils ont besoin les uns des autres. Bref, ils développent des valeurs dont la planète aurait vraiment besoin aujourd'hui, à base d'entraide, d'altruisme, d'humanisme, d'affection, pour ne pas dire d'amour, et ce parcours les amène toujours en marge du troupeau. Mais il n'y a pas d'intention de mon part, si je vous disais au départ, de dire je vais
souligner, stabilo bosser les déviants d'une société qui n'a pas besoin de moi pour montrer à quel point elle est déviante. Aujourd'hui, entre le Covid et les canicules, la planète suffoque de notre ego humain délirant. Et donc, voilà, je raconte des gens qui sont mis un petit peu à la marge et qui finalement finissent par se trouver, même si le monde qui les domine est beaucoup plus fort qu'eux, indiscutablement. Grégoire et David étaient déjà fait un petit coucou dans 9 points fermes. C'est mon fils qui était un fan du Palma Show, qui me les a fait regarder sur Internet. Donc je les ai contactés. Et j'apprécie beaucoup. C'est des gens qui ont beaucoup de talent et en plus qui sont désireux de participer au film, etc. Pareil pour Kian qui était déjà dans Voir là-haut. Il a fait un petit film, un petit rôle dans Voir là-haut. Bizarrement, je pensais à eux pour le rôle de Monsieur Blanc au départ, qui était un jeune aveugle. Et puis j'ai essayé et en dépit de leur talent et tout, ça fonctionnait pas. Voilà. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi. Et puis j'ai appelé mon désespoir de cause mon copain Nicolas, qui effectivement rendait le rôle tout d'un coup tout à fait crédible, parce que le fait qu'il soit un peu plus vieux, il devient beaucoup plus attachant et donc il peut libérer beaucoup plus d'énergie par rapport au rôle. Mais ça s'est fait à 6 semaines du début du tournage, j'étais complètement paniqué. Je m'amuse de toutes les petites déviances, donc je pose le parcours des personnages. Il se trouve qu'ils vont rencontrer un médecin, ils sont tout contents, mais il se trouve qu'il a perdu la mémoire, c'est des choses qui arrivent. Et à un moment donné, je cherchais un truc, mais alors bizarrement, je pensais à un truc, genre les aventures de l'arche perdue. Et c'est pour vous dire comment l'action redémarre. Et j'ai souvent vu que dans ces films-là, Dieu sait s'ils sont bien faits, il y a un événement incroyable qui se passe. Donc là, il y a un côté archéologique, il y a des bouquins qui tombent, on ouvre, on ne sait pas ce que c'est, peut-être des hiéroglyphes, on ne sait pas. Et puis il se trouve que c'est l'écriture du docteur Lin qui est comme pas très lisible. Et donc assez logiquement, il y a un médecin qui arrive et qui lui est capable de traduire. Alors, personnel, mon père était médecin et mes bons anniversaires, il me fallait des années pour comprendre ce qu'il avait écrit. Donc ça me faisait marrer par rapport à des écritures floues que j'ai connues toute mon enfance. Il y a une cohérence dans le trio, quoi. À partir du moment où vous racontez un type qui est dépressif et qui va jusqu'à essayer de se tuer parce qu'il n'a pas eu sa promotion, ça induit quand même tout un comportement. Donc c'est pas le cas de Bob Nolan qui n'aurait jamais fait ça. Il aurait attaqué les responsables à coups de fusil, ou Bernie, j'en parle pas, à coups de pelle. Et là, on est dans un autre schéma psychique. Donc l'individu est tout à fait, inséré, raisonnable. Mais là, il est tellement dans un monde, il se rend même plus compte qu'il n'a pas sa promotion. C'est une véritable catastrophe pour lui. Et là aussi, on l'a rendu con quelque part. On a mis ces valeurs-là de promotion essentielles, alors que il n'a jamais pu dire je t'aime à une femme et qui vit tout seul manifestement. Donc voilà, donc c'était le personnage est assez cohérent. Après, c'est une partie de moi, ce bonhomme-là, comme tous. Hein. Et il était plus facile à jouer parce que plus sobre et plus tranquille. Voilà. Beaucoup aimé Facile numérique de Gustave et de Benoît. J'ai bien aimé Mon cousin de Yann Kounen. Un autre film, c'était Woman at War, que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Je trouve ça formidable, ce film islandais, inventif en diable, racontant là aussi une époque qu'on traverse, mais avec beaucoup de talent. J'ai pas compris Tenet. Et Dieu sait si Nolan a du talent, mais j'ai pas compris le film. Aussi, une série télé, Babylon Berlin, que je vous recommande. Donc c'est très bien fait formellement. Il y a une histoire qui est vraiment intéressante, c'est la montée du nazisme. J'ai été surpris par la qualité de réalisation, la qualité du propos, la qualité des acteurs. Donc c'est le dernier film, une série que j'ai vu, que j'ai trouvé vraiment très chouette. Voilà. Projet, j'aimerais le faire, ça serait l'histoire de la tentative d'ascension au pouvoir d'un individu ultra altruiste, humaniste et absolument concerné par l'intérêt général. Et bien évidemment, les gens qui le mettent en place ne sont pas d'accord et vont chercher à le supprimer. Le monde n'est pas gouverné par ceux qui officiellement le gouvernent, il est gouverné par d'autres personnes. Et ces personnes-là ne laissent pas n'importe qui arriver au pouvoir. Voilà, donc j'aimerais raconter ça. J'espère que ça sera une dystopie, j'espère que ça sera distrayant, remuant, etc. Mais j'en suis au tout début. C'est une ébauche. Peut-être dans 3 ans, j'aurai fait un autre film. Non, je suis pas du tout. Alors là, l'horreur, ça me fait rigoler parce que je vois que tout est faux, donc ça me fait rigoler. Le documentaire, oui, alors je regarde énormément de documentaires. Il y a vraiment des documentaristes de grand talent et qui ont fait des docs que j'ai vus, mais vraiment très très marquants. Il y en a un que j'ai vu sur 312 rue du Faubourg, machin chouette. C'est quelqu'un qui prend un immeuble, qui analyse l'immeuble et qui retrouve les enfants pendant la guerre qui étaient là, qui ont été. Enfin, c'est passionnant, je me rappelle plus exactement le titre du documentaire. Enfin, il y en a plein. Sur Arte, il y a des docs en permanence qui sont vraiment très très chouettes. C'est vraiment une façon d'apprendre des choses, d'ailleurs, via une contre-culture qu'on voit pas assez souvent. Donc, oui, ça m'intéresserait, mais c'est un savoir-faire que je suis pas sûr d'avoir. Notamment la patience, je suis pas sûr de l'avoir. Il faut être très patient pour le documentaire.